Chers amis, je tiens à vous informer d'un véritable scandale. Dans son projet de loi de finances pour l'année 2025, le gouvernement Barnier prévoit d'augmenter l'aide médicale d'État de 100 millions d'euros. Ils veulent faire passer l'AME à 1,3 milliard d'euros. Cette aide médicale d'État, elle est reversée, elle est dédiée aux clandestins, c'est-à-dire aux personnes qui sont sur le territoire national de manière illégale. On paye pour le recollement des oreilles des migrants clandestins. C'est totalement injuste et totalement révoltant parce qu'au même moment, dans ce même projet de loi de finances, le gouvernement prévoit de diminuer le remboursement de la consultation chez le médecin pour tous les Français. Pour moi, un Premier ministre de droite n'augmente pas les impôts des Français alors que nous sommes déjà le pays au monde le plus taxé. Vous les augmentez de 30 milliards. Pour moi, un Premier ministre de droite ne s'attaque pas aux retraités qui ont travaillé toute leur vie en désindexant leur retraite. Pour moi, un Premier ministre de droite a le courage de s'attaquer au coût de l'immigration. Merci or, vous beaucoup, augmentez le budget Monsieur de l'AME.